très, très fier de vous annoncer que le tournoi de tennis professionnel revient à Québec. C'est un tournoi masculin qui va être ici présenté au club de tennis pour les tennis Saint-Augustin. C'est un tournoi masculin de 25 000 $ de bourse. C'est un tournoi international. C'est sûr qu'en étant au Canada, on va favoriser les joueurs canadiens, les joueurs américains qui vont venir. Mais pour l'avoir fait à Gatineau, on avait des joueurs de partout dans le monde quand même. On a eu des Finlandais, on a eu des Tchèques, on a eu des Slovaques, on a eu des Américains, on a eu de partout dans le monde quand même. C'est un tournoi international, c'est un tournoi d'entrée. Donc, tout junior qui veut faire des points doit passer par là. Donc, ils n'ont pas le choix de jouer ce tournoi de cette grosseur-là. Shapovalov l'a gagné en 2018. Après ça, il a gagné un tournoi Futures 25 000 en 2018. Il est revenu en 2018 à Gatineau jouer le Challenger, il a gagné. L'année d'avant, après ça, moi, je suis arrivé en 2019, c'est Alain Humbert qui l'a gagné. Alain Humbert, deux ans après, était top 20 au monde. Donc, le niveau de jeu est vraiment, vraiment intéressant. Puis, on va avoir un niveau de jeu qui va être vraiment fun. Puis surtout, on va découvrir la relève. C'est ça qui est le fun. Je ne pourrais pas vous dire qu'on va avoir tel joueur. Ça ne donne rien. Mais je peux vous garantir qu'on va avoir les meilleurs joueurs au monde, les meilleurs jeunes joueurs au monde qui veulent se faire un nom vont passer ici. Puis ça, c'est le fun. On m'a demandé de faire un combiné. Donc, je voulais faire gars et filles, mais ça prend 9 terrains. J'en ai seulement 6, donc c'était impossible de le faire pour moi. Mais si j'avais eu 9 terrains, je l'aurais fait un combiné. On aurait eu gars et filles en même temps. Mais dans l'optique où est-ce que des filles, on a eu beaucoup. Je voulais qu'on mette la place un peu sur aux hommes pour un bout de temps. Là, fait que ça fait de, j'ai demandé d'avoir le masculin. En personne, du tennis masculin, ça doit être assez impressionnant. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Je vais vous dire, là, même si vous allez voir les meilleurs joueurs juniors, si vous voyez jouer Jason Weeks, là, qui est 23e au monde, là, c'est un niveau de jeu qui est très, très impressionnant. Ça frappe fort, puis ça, c'est le fun. C'est vraiment le fun.